Alors, un autre tournant dans ma carrière, c'est en 86. Donc j'étais à l'Office des personnes handicapées et pour faire pression sur mes supérieurs, pour finir par avoir un poste de cadre, parce que je l'occupais depuis nombre d'années, siégé au comité de direction, mais j'étais toujours professionnel en situation de gérance. J'ai fait tellement de pression que j'ai postulé ailleurs puis que j'ai obtenu le poste. Et j'ai postulé pour un poste de direction au centre François Charron à Québec, qui est un centre de réadaptation en déficience physique, enfin à l'époque pour les adultes avec déficience motrice. Et là, ben, j'ai continué mon travail international au niveau de l'Organisation mondiale de la santé et du Conseil de l'Europe, c'est pendant toute cette période-là. Mais j'ai également eu pour mandat de développer la recherche en réadaptation et pour aller rapidement, la réadaptation à l'époque, la recherche était très peu développée et simplement développée dans ses dimensions justement plus biomédicales, en physiothérapie, en ergothérapie, donc centrée sur l'organe et ses fonctions. Donc, en mettant de l'avant le cadre conceptuel de processus de production du handicap, ici, le centre de réadaptation était un lieu propice pour le faire parce qu'il était déjà caractérisé par l'interdisciplinarité des équipes, dans le sens où il y a des physiothérapeutes, des ergothérapeutes, mais il y a aussi des gens en service social, en psychologie. Donc on n'est pas dans un environnement qui était dominé par les médecins, par exemple. Les médecins faisaient partie de l'équipe, n'étaient pas obligatoirement l'autorité qui dirigeait tous ces éléments-là. Et c'était aussi une période où on réfléchissait au développement de l'approche holistique en réadaptation, donc dans laquelle la personne en tant que telle est au centre de l'intervention et que on travaille pas simplement à réduire les déficiences, à travailler sur la fonctionnalité, mais qu'on doit le faire aussi dans la perspective d'améliorer ou de retourner ou d'acquérir une qualité de vie puis une qualité de participation sociale. Donc, toute cette évolution de l'orientation dans le champ de la réadaptation cadrait très bien avec la perspective du modèle anthropologique que j'appelais plus, à partir de ce moment-là, plus de développement humain et de processus de production du handicap. Et a donc servi à la fois d'inspiration pour de cadre théorique pour la clinique, mais aussi pour la recherche. Donc on a appliqué à partir de des années c'est, en fait quatre, des années 90 ce cadre conceptuel pour développer en fait une perspective interdisciplinaire de la recherche en réadaptation qui intègre autant le volet réadaptation fonctionnelle que la préoccupation sur les aspects plus sociaux, sociologiques du handicap. Et donc il y a des sociologues
moi-même en anthropologie, donc j'ai été impliqué aussi à développer la recherche dans ce domaine-là. Et ça a aussi transformé un petit peu les mentalités des chercheurs plus biomédicaux qui ont pu resituer leur intervention, non pas simplement pour dire qu'on va améliorer l'extension du bras, mais à quoi ça sert d'avoir améliorer ce mouvement-là, c'est pas dans le vide que on améliore un mouvement, c'est pour pouvoir faire son café, c'est pouvoir préparer à manger, pour pouvoir habiller ses enfants. Donc cet élément de finalité de la réadaptation, on a été un petit peu moteur ici dans notre équipe. À la fois pour le développer ici, mais c'est quelque chose qui a influencé la réadaptation au Québec et presque, je veux dire, une bonne partie des équipes de cliniciens de la réadaptation sont formées au PPH, là, qui est l'abréviation de processus de production du handicap. C'est devenu un cadre conceptuel de théorique pour le développement de la recherche. En l'an 2, on a d'abord travaillé au développement d'un consortium de recherche en réadaptation qui a rejoint le volet moteur, les personnes avec incapacité visuelle, auditive et de langage et parole. On a réalisé un consortium au milieu des années 90, où on a été chercher une reconnaissance par le Fonds de recherche en santé du Québec. Et on a finalement eu un statut de centre de recherche, donc ici le Centre interdisciplinaire de recherche en réadaptation et intégration sociale, là, qui donne la dimension sociale d'intégration, de participation en 2000. Donc, j'ai été cofondateur du centre à cette époque-là. Mais ça, c'était comme mon sideline, je veux dire. Parce qu'en même temps, j'étais directeur du volet scientifique de ce qui est devenu l'Institut universitaire de réadaptation. Donc, j'ai été directeur scientifique là, de 1995 à 2014. J'ai pris ma retraite en 2014 et on a obtenu un statut d'institut universitaire. Donc c'est comme un institut d'excellence qui est attribué par FRSQ, FQRSC, ministère de Santé, Services sociaux, ministère de l'Éducation. On a été le premier institut universitaire en réadaptation au Québec. Il y en a un autre qui a été identifié à Montréal. Ça les a toujours un peu frustrés qu'on ait eu ça pendant si longtemps tout seul à Québec, mais ils ont fini par en avoir un l'année dernière. Donc c'est un milieu d'excellence où il y avait le volet de centre de recherche. Mais on est aussi un milieu d'enseignement où on recevait 6 à 700 stagiaires par année dans 23 disciplines. Donc pour 7 ou 5 000 jours stage année à peu près. Donc c'est un gros paquebot. Cet environnement-là. Alors, ça, c'est pour mon volet réadaptation. Pendant tout ce temps-là, j'ai continué à faire de la recherche. Alors, c'est important de dire aussi que toutes mes études, c'est pour ça que j'ai quand même eu mon doctorat assez tard, d'abord parce que j'en avais fait un autre avant, mais parce que j'ai jamais arrêté de travailler. J'ai toujours fait ça tout en travaillant. Mais en même temps, il y avait
symbiose entre l'objet de mes études et puis de mes travaux et mon travail. Et puis il y avait aussi une ouverture importante de la part de mes directeurs et j'ai toujours fait ça en transparence, là, c'est-à-dire ils voyaient aussi l'intérêt à ce que je développe mes compétences dans ce sens-là, comme le fait d'avoir un doctorat. Ben, c'était important parce que j'aurais jamais pu contribuer au développement du centre de recherche et tout ça. C'était un rite de passage, le doctorat. Et tant que tu ne l'as pas, tu ne le sais pas, mais après, l'attitude des autres se modifie. Donc, à partir de. J'avais donc déjà fait quand même pas mal de recherches avant d'obtenir mon doctorat. Mais à partir de ce moment-là, bon, ben là, j'ai commencé à obtenir des subventions. Quand même assez importante. J'ai travaillé sur toute la question, par exemple, des représentations sociales des professionnels de la réadaptation, donc qui est une sorte d'anthropologie de la clinique, on peut dire, là, où je me suis intéressé aux représentations des équipes interdisciplinaires à l'égard du client, puis comment ces représentations-là avaient une influence sur les types d'interventions et sur les objectifs qu'ils définissaient avec le client pour l'orienter. Par exemple, en termes de méthodologie, on a suivi ce qu'on appelle des plans d'intervention, c'est-à-dire ça, c'est un plan qui est défini pour chaque personne, qui est obligatoire, et qu'une équipe interdisciplinaire suit au fur et à mesure que la réadaptation se poursuit sur 6 mois, 1 an et plus, et fait périodiquement des réunions et des ajustements. La personne en général peut y participer. On faisait de l'observation participante de ces réunions-là, avec enregistrement vidéo et verbatim, donc avec analyse qualitative et tout ça qui nous permettait d'aller rechercher les grandes représentations. Par exemple, on est dans des milieux où les chercheurs sont dans le monde de la santé et puis, sans le vouloir, projettent une vision des bonnes habitudes de vie sur les personnes. Puis quand tu as un motard qui arrive et puis qui s'est cassé la figure sur sa moto et puis qui a ses amis qui viennent lui passer un petit peu de dope de temps en temps, ben ça rentre pas dans les bonnes habitudes de vie de l'équipe interdisciplinaire. Donc des choses comme ça ont parfois tendance à venir teinter quelque chose ou quelqu'un qui a un portrait, par exemple, d'alcoolisme ou carrément je sais pas moi, des difficultés conjugales. C'est intéressant de voir comment cette dynamique-là, au-delà de toutes les compétences et des éthiques professionnelles, comment il y a certaines représentations comme celle de cette projection de la santé, des bonnes habitudes de vie, où finalement les gens peuvent dépasser leur champ d'intervention pour devenir un peu des prescripteurs de bonnes habitudes de vie. Puis une figure d'autorité pour aller vers là. C'est des choses qu'on peut voir comme ça par des analyses qualitatives comme ça. On peut voir aussi toutes les dynamiques de jeu de pouvoir entre les disciplines, entre les disciplines plus fondamentales par rapport aux disciplines plus molles ou plus sociales. Aussi les jeux sur les diplômes. Donc il y a beaucoup, beaucoup de choses. Là, je donne des caractéristiques, il y a plein de choses positives aussi, là,
qui ressortent. Hein. Donc, par exemple, justement, comment dans une dynamique interdisciplinaire, la vie, même un peu autoritaire de certains, est modérée par les autres pour en arriver à un équilibre. Comment on développe, par exemple, on parle beaucoup d'empowerment, hein, d'autodétermination des clients, mais ça remet en question le pouvoir des professionnels. Comment, d'un côté, ces gens-là vont dire oui, on croit en l'autodétermination, mais comment on le met en œuvre? Une des choses que souvent j'aime bien souligner, c'est que une personne handicapée, on aime bien ça quand c'est gentil. Mais quand tu as un méchant handicapé qui obéit pas et puis qui remet en question toutes les prescriptions, ben, c'est plus difficile. Hein? Donc, c'est intéressant de voir, là, justement, cette perspective-là, que jusqu'où on va dans des orientations, des principes qui sont très importants dans l'ouverture à la défense de droits, à l'autonomie, à l'autodétermination, à l'appropriation du pouvoir, mais comment on le gère dans la pratique et dans le quotidien, dans les rapports usagers, cliniques. En tout cas, c'est un des champs de recherche sur lequel j'ai travaillé. J'ai aussi travaillé sur les causes d'appauvrissement des personnes ayant des incapacités. Donc, il faut se dire, c'est important de le souligner, là, que il y a quand même à peu près 1 million de personnes handicapées, personnes ayant des incapacités au Québec. Et une partie de ces groupes-là sont des personnes qui étaient assurées. Donc, comme par exemple les victimes d'accidents de la route ou les victimes d'accidents du travail, qui, eux, ont des régimes de soutien et de compensation qui sont plus spécifiques, et puis d'une certaine manière, même si ça s'est un peu détérioré dans les dernières années, répondent à leurs besoins. Donc, par exemple, on va payer leur service de maintien à domicile, l'adaptation de domicile, l'auto-adapté, ou tout ça. Mais, par exemple, pour les personnes qui ont des conséquences de maladies chroniques, par exemple comme la sclérose en plaques ou des choses comme ça, ou si vous tombez de votre toit, ben là, ces éléments-là, vous ne les avez pas. Hein. Donc, ou surtout quand c'est de naissance et tout ça, donc il y a une bonne partie des personnes qui ont des incapacités qui vont vivre dans la pauvreté. Et les personnes qui ont des incapacités sont parmi les plus pauvres des pauvres, là. Donc ça, c'est quelque chose qu'on regarde. Et pourquoi ils sont pauvres? Un, parce qu'ils n'ont pas accès, ils ont accès à l'aide sociale, là, donc qui est le minimum des minimums, même si s'ils se déclarent inaptes au travail, ils ont un petit montant additionnel, mais c'est 900 $ par mois. Donc l'autre volet, il y a ce volet-là. L'autre volet, c'est la notion de compensation des coûts supplémentaires, des déficiences et des incapacités. Donc c'est, par exemple, de couvrir les frais que vous pouvez avoir pour votre transport ou pour adapter votre véhicule ou tout autre élément qui vont être des programmes. Alors ça peut être des programmes avec des montants d'argent, ou ça peut être des services, comme l'accès à l'éducation et tout ça, mais c'est des compensations qui viennent comme ramener les personnes dans l'exercice de leur droit à l'égalité. C'est-à-dire que par ces compensations-là, par ces accès à des programmes et à des services, le principe d'égalisation des chances, là, qui est
un principe fondamental au niveau des droits humains ou du droit à l'égalité sont rétablis. Donc, on peut pas enlever la déficience et l'incapacité, mais on peut justement travailler sur le social pour remettre les personnes dans une situation d'égalisation. Alors, ça, c'est aussi des travaux que j'ai réalisés. D'autres travaux que nous avons réalisés, c'était comment on mesure la participation sociale. Parce que là, comme je vous disais, là, le modèle, c'est l'interaction personne-environnement, mais le résultat, c'est la qualité de la participation sociale. Alors, on a travaillé sur le développement d'instruments basés sur le fameux concept d'habitude de vie dont je parlais, puis qui va... En fait, les habitudes de vie, c'est se lever le matin, c'est s'alimenter, c'est s'habiller, c'est communiquer, puis c'est les rôles sociaux donc, des personnes. Donc c'est développer un instrument qui permet de faire un portrait de la personne sur le fait qu'elle réalise ses activités ou... Et ça amène un concept que je n'ai pas encore expliqué, qu'elle vit des situations de handicap, dans le sens où des situations de handicap sont des perturbations de la réalisation ou des limites dans la réalisation des habitudes de vie. Donc on a développé un instrument, un questionnaire, on en est à la version 4.0 maintenant. C'est un outil qui est reconnu internationalement, qui est traduit dans une quinzaine de langues et qui est validé autant pour des personnes avec des incapacités physiques, mais aussi, dans les dernières années, on l'a validé pour des personnes avec incapacité intellectuelle. On a travaillé sur toute la formulation des questions. Donc ça, c'est un des éléments... directement en lien avec l'application du PPH, du cadre conceptuel, mais qui permettent justement, je parlais tout à l'heure là, de monitoring et de suivi, d'évaluation là, de politique ou de programme, qui permettent de faire des portraits périodiques, synchroniques, de la situation d'une population, mais ça peut être aussi pour une personne individualisée, donc c'est utilisé en réadaptation. Mais ça peut être utilisé, par exemple, on vient de terminer une recherche sur la mesure d'effet du développement local inclusif. Le développement local inclusif, c'est une approche là, de développement au niveau des collectivités, au niveau international. On collabore avec Handicap International, qui est une grosse organisation de solidarité internationale sur la question du handicap. Et on a travaillé à Salvador de Bahia, à Madagascar, à Bordeaux et à Québec pour avec des groupes de personnes handicapées qui collaborent avec des acteurs gouvernementaux ou locaux pour améliorer une dimension de leur quotidien. En l'occurrence, là, c'était soit l'accessibilité architecturale, soit le transport adapté. Et à l'intérieur de la méthodologie qu'on a développée pour cette mesure, pour cette évaluation, la mesure des habitudes de vie, là, la MAVI sur la mesure des participations sociales fait partie de cette trousse d'évaluation. On a également développé une mesure de la qualité de l'environnement qui permet de faire un survol de toutes les dimensions environnementales pertinentes pour les personnes
et qui permettent d'évaluer si elles sont des obstacles ou des facilitateurs à leur participation sociale. Donc ça, c'est un autre outil qui a été développé dans nos travaux. Et dans ce projet-là, sur le développement local inclusif, on a aussi toute une partie qui est plus sur l'aspect de la gouvernance participative. Donc, comment les personnes qui ont des incapacités ou qui vivent des situations de handicap et les organismes qui représentent ces personnes-là sont vraiment engagés dans un processus citoyen avec leurs interlocuteurs de la communauté civile ou gouvernementale. Donc, on a développé une manière de faire un portrait de la gouvernance et de regarder toute la question de la participation citoyenne, individuelle et collective dans ce type de projet-là. Alors notre idée, là, notre objectif, c'est on a publié récemment là-dessus, notre rapport vient juste de sortir. Et donc c'est une contribution à la question du suivi, là, de la mesure des projets. Hein. C'est une problématique qui est très difficile. Tout le monde parle d'évaluation, mais comment on fait vraiment pour faire la mesure d'impact? Donc ça, c'est une autre application du modèle. Donc, et encore une fois, l'élément qui est très très important pour moi, c'est pas du tout d'amener le modèle du développement humain puis du PPH comme une imposition de lecture, c'est plutôt d'identifier les dimensions des systèmes, d'un phénomène, hein, d'un processus, et que à chaque fois qu'on l'applique à une problématique particulière, qu'on parte de cases vides. Elles sont pas entièrement vides parce que dans chacune, il y a comme des nomenclatures, des éléments de chaque système, que ce soit pour l'environnement, pour la personne, pour l'identité, mais elles sont pas données. Donc, selon les contextes, selon les environnements culturels, c'est un peu une méthodologie ethnographique en réalité, où on doit reconstruire, documenter chacune des dimensions, et faire un portrait de la situation.